bienvenue sur ma chaîne Mamzelle et ses loisirs. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Alors c'est un unboxing un peu particulier parce que je ne vais pas pouvoir vous dérouler les toiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des colis qui sont destinés à ma maman qui habite en Guadeloupe. Donc ma mission, en fait, c'est de vérifier que tout est là. Mais après, je dois lui réexpédier. Donc, bah, vous comprenez que je ne peux pas dérouler les toiles pour ensuite les réenrouler pour lui envoyer. Donc, je vais quand même ouvrir tous ces petits colis avec vous. On va vérifier ensemble. Puis, bah, je vais vous montrer ce qu'elle a choisi. Donc, allez, c'est parti. Donc, il y a deux petits colis. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le premier. Alors, vous allez voir que c'est des choses qu'on a déjà vues. Parce que du coup, ma maman débute le diamond painting et je l'ai aidée à choisir le matériel nécessaire pour débuter en diamond painting. Alors, je vais essayer de ne pas trop abîmer le papier bulle pour pouvoir emballer après. Hop. Donc voilà, c'est assez de vous parler, il y a peu de temps, moi j'ai reçu les mêmes pour ma toile Disney, donc c'est des piluliers que j'ai commandé chez le même vendeur, un CC Fly 321 Store, donc à 9 euros et quelques les 4 boîtes. Alors je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé le lien de la boutique de ce vendeur. Alors en ce moment il est il refait sa boutique. Et je lui ai demandé s'il allait avoir tous les mêmes produits qu'il pouvait avoir auparavant. Et il m'a dit que non. Donc je ne peux pas vous garantir que ce lien... Enfin, je vais vous mettre le lien. Mais je ne peux pas vous garantir que... Je vais vous mettre le lien du vendeur. Et après, je ne peux pas vous garantir que vous retrouverez ces produits-là. Voilà. C'est dommage parce que du coup, c'était vraiment pas cher. Et je les ai reçus, je crois, en moins de 15 jours. Donc c'est dommage parce qu'il envoie très rapidement et c'est pas cher en plus. Donc voilà, 4 petites boîtes piluliers pour que je puisse ranger tous ces diamants. Et ensuite, deuxième petit colis. Donc là, je pense que vous aurez deviné, hein. C'est des toiles. Voilà. Et les connaisseurs reconnaîtront peut-être la boîte qui vient de chez... Huacan. Alors Huacan, moi c'est la première fois que je reçois un colis de leur part, j'ai encore jamais commandé chez eux. Donc voilà comment ça se présente. Alors elle a deux toiles, donc on a bien les deux toiles ici et les diamants au-dessus. Donc on va regarder ça. Voilà. Donc on a les deux toolkits avec les grandes barquettes, ça c'est cool, le pin colle, le stylet transparent et les pinces qui sont très très bien parce que c'est les mêmes que chez Evershine je crois et elles sont nickel. Donc c'est cool parce qu'elle a des très bons kits pour débuter le diamond painting. Ensuite on a les diamants du coup qui sont en sachet zippé. Donc ça c'est très pratique aussi quand on débute, qu'on n'a pas forcément les rangements nécessaires. Et donc les deux toiles. Alors je vais vous montrer les dessins. Je vous mettrai des photos pour que ce soit plus parlant. Voilà ce qu'elle a choisi, très coloré. Et elle a pris en taille 50 par 70. Et il y a 45 couleurs sur celle-ci. Et ensuite le deuxième. Un petit hibou avec, vous pouvez voir, 48 couleurs. Il y a beaucoup de couleurs chez Huacan, je trouve. Et elle l'a pris aussi en 50 par 70. Donc voilà pour les toiles.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier qu'il y ait au moins tout les sachets de diamants, qu'il ne manque pas de couleur avant que je lui réexpédie son colis. Parce que, donc pour vous expliquer quand même pourquoi on procède comme ça, c'est que donc ma mère habite en Guadeloupe et les frais de port de Chine vers la Guadeloupe sont exorbitants. Pour vous donner un exemple, je lui ai commandé aussi des petites étiquettes. Et pour un tout petit colis donc d'étiquettes, il y en avait pour 20 euros de frais d'envoi. J'avais aussi fait le test sur une toile. Et pour une toile, il y en avait pour 50 euros. C'était même pas le prix de la toile, quoi. Ça représente le double du prix de la toile, quoi. Donc j'ai dit, bah non, c'est pas possible de payer 50 euros de frais d'envoi pour une toile. Donc je vais, moi, lui refaire un colis et lui réexpédier. Ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc voilà, pour qu'il ne lui manque rien, parce que du coup elle attend ses toiles pratiquement un mois et demi, 2 mois, parce qu'après ça part par bateau, pour pas que ça nous coûte non plus trop trop cher. Et si elle attend un mois et demi, 2 mois, et qu'en plus il manque des sachets, enfin voilà, ça serait dommage. Donc je vérifie tout ça et je vous reprends juste après pour être sûre que tout est bien complet. A tout de suite. Alors voilà, le contrôle est fini, donc il y a bien tout. Bon après hein, le problème des sachets, c'est qu'on a la quantité donc qui est inscrite dessus, mais concrètement on peut pas vérifier. Je vais pas recompter tous les diamants. Donc voilà. Donc l'avantage de Wacom du coup pour le renvoi, c'est que voilà, la toile elle est entourée de plastique, donc elle ne peut pas bouger quoi. Et il y a un tube en mousse au milieu. Donc ça du coup je suis assez sereine pour le renvoyer. À ma mère, je sais que ça va arriver en bon état, quoi. Donc pour ça, c'est cool. Donc j'attends encore 2 toiles pour ma maman. Donc je vais attendre de tout recevoir et après je vais préparer son petit colis qu'elle attend impatiemment. Voilà. Donc bah voilà une petite vidéo, hein, assez rapide du coup, parce que je peux pas vous présenter les toiles plus que ça. Après, pour ceux qui sont dans le groupe évasion et création, je pense que elle nous présentera peut-être ses toiles une fois qu'elle les aura reçues, enfin du moins peut-être les déplier et peut-être nous montrer un peu ses premiers pas sur le diamond painting. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le résultat de ces toiles-là, il faudra aller sur le groupe Facebook Diamond Painting, Évasion et Création. Voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller continuer ma toile. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao !